avant de moi. Tui ou ka votre zouye. Nyuma tu gatandu kana. A votre taramanye. Mouvi hebye bien shimo. El shimi bachirio. Hehe no kubo nana. El shimi bachirio. Hehe no kubo nana. Sabie tu vivo que a votre erango et quiganya Patachi dije kitageze iwabo watwese. Cette note est enregistrée le 6 octobre 2016. Je m'appelle Kizito Mihigo, je suis détenu dans la prison centrale de Kigali, officiellement nommée prison de Nyarugenge et communément connue sous le nom de 1930, année de sa construction. Au mois d'avril 2014, après avoir composé et sorti une chanson chrétienne, j'ai été enlevé, détenu et accusé de complot et conspiration contre le pouvoir en place et le président de la République. En effet, le 5 mars 2014, j'avais sorti une chanson intitulée « Igisobanuro cy'urupfu », traduction « Explication de la mort ». Et je l'ai postée sur ma chaîne YouTube, sur mon site personnel, ainsi que sur le site officiel de ma fondation. Dans les jours suivants la sortie de cette chanson, j'ai subi des insultes, des menaces et des messages me prévenant que quelque chose de mauvais allait m'arriver. J'ai aussi été contacté à plusieurs reprises par des officiels gouvernementaux, dont le ministre de la Culture, le chef de la CID, Criminal Investigation Department, le chargé de la culture au ministère de la Défense, le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, CNLG, ainsi que la présidence de la République. En effet, le 17 mars 2014, lors de son discours pendant les cérémonies de collation de grade aux officiers de police, le président Kagame avait déclaré que, je cite, « Je ne suis pas un chanteur pour faire plaisir aux ennemis du pays ». Le 1er avril 2014, ce soir, j'ai été invité par la directrice de cabinet du président et le rendez-vous a eu lieu dans les bureaux du président du Sénat. L'actuel président du Sénat, à l'époque, il était vice-président du Sénat. Tous les deux m'ont dit que le président n'avait pas aimé ma chanson et que je devais lui demander pardon dans une lettre et que je devais aussi demander pardon à la population qui avait été soi-disant choquée par ma chanson. Lors de ce rendez-vous, j'ai essayé d'expliquer en vain que ma chanson n'avait pas été composée pour faire du mal à qui que ce soit, mais que c'était un message chrétien qui apprenait aux gens le pardon, la compassion et la réconciliation. La directrice de cabinet et le vice-président du Sénat m'ont dit que si je ne faisais pas ce qu'il m'avait dit, j'étais mort. Alors j'ai fait ce qu'il m'avait dit, à savoir demander pardon au président dans une lettre et demander pardon à la population à travers les médias. La directrice de cabinet m'avait rassuré que, après avoir fait ce qu'il m'avait demandé, il n'y avait plus de problème ou de mesure. Mais le 6 avril 2014, entre 10h et 11h du matin, lorsque j'étais en voiture avec mon chauffeur, arrivé dans les feux rouges sur la route entre le siège du Parlement et le siège de RDB, RDB c'est Rwanda Development Board, une personne m'a surpris et a ouvert brutalement la porte de ma voiture qui n'était pas bloquée. C'était un officier de police en fait que je connaissais. Il m'a obligé de quitter ma voiture et de monter la sienne. Je suis monté dans sa voiture et sa voiture était conduite par un autre officier que je connais aussi. Il m'a confisqué mon téléphone tout de suite et il me disait qu'on allait voir un de leurs supérieurs qui voulait me rencontrer. Mais on n'est pas allé voir son supérieur-là en fait. En revanche, nous avons fait plusieurs tours dans la ville de Kigali. Pendant plusieurs minutes, et j'ai fini par être amené au centre de police de Gikondo, communément appelé Chez Gacinya.
Je suis resté chez Gatchina pendant au moins 30 minutes, assis dans une salle de conférence, sans que personne ne me demande quoi que ce soit. Et quand j'essayais de poser des questions, on ne me répondait pas. J'ai été ensuite remis dans la voiture et nous nous sommes dirigés vers Kijukiro. Au cours du chemin vers Kijukiro, nous avons été rejoints par deux personnes habillées en civil. Ils sont montés dans notre voiture et l'un s'est assis à ma gauche et l'autre à ma droite. La voiture a ensuite continué vers la forêt de Nyanza. Nyanza, c'est une localité située dans la banlieue de Kigali, vers Bugesera. Je suis resté assis dans cette voiture, garée dans la forêt, entouré par les gens que je ne connais pas et qui ne me parlent pas, depuis les heures de midi jusqu'à 20h du soir. Vers 18h, j'ai pensé que ces gens voulaient me tuer dans cette forêt. En fait, ils allaient me tuer dans cette forêt. Et la population, à mon avis, elle allait découvrir mon corps le lendemain, le 7 avril. Alors j'ai dit, si le problème était ma chanson, j'ai dit que j'en avais parlé avec la directrice de cabinet du président et avec le vice-président du Sénat. Quelques instants après, la voiture a quitté la forêt et on m'a conduit au bureau du vice-président du Sénat encore, où j'avais rencontré la directrice de cabinet et le vice-président du Sénat. Et ce jour-là, j'y retrouvais les mêmes personnes, mais avec une troisième personne qui était le commissaire général adjoint de la police. Ils m'ont dit que, en plus de la chanson qu'on m'avait accusée, qu'ils avaient trouvé dans mon téléphone une discussion par WhatsApp avec quelqu'un de l'opposition. Et c'était vrai, en fait. J'avais eu une conversation avec quelqu'un de l'opposition qui, et dans cette conversation, où on critiquait le gouvernement, on critiquait vraiment fortement le gouvernement, et je savais que le gouvernement rwandais n'aime pas ça. Mais pour moi, c'est pas un crime de critiquer le gouvernement. Mais soit. Lors de cette deuxième rencontre dans le bureau du vice-président du Sénat, j'ai été insulté donc par les trois personnes et menacé de mort. Ben, j'ai demandé pardon et on m'a dit que je devais continuer à demander pardon, mais que cette fois-là, il n'était pas sûr si le pardon allait m'être accordé. J'ai ensuite été remis en voiture. Et on m'a mis un sac noir sur la tête, un sac qui me couvrait la tête. La voiture roulait, mais je ne pouvais pas savoir où on allait. Quelques minutes après, je me suis retrouvé dans une chambre avec un lit, une chambre dans une maison d'habitation, et j'y suis resté pendant 9 jours. J'étais menotté jour et nuit. Je mangeais une fois par 2 jours, une fois dans 2 jours. Jusqu'au jour où je vous parle, je ne sais pas encore où se trouve cette maison, car on me couvrait la tête avant d'y entrer et avant d'y sortir. Dans cette maison, j'ai subi beaucoup d'interrogatoires très musclés. Le 10 avril, par exemple, c'est-à-dire 4 jours après mon enlèvement, j'ai été amené dans le bureau du commissaire adjoint de la police, Dan Munyusa. J'ai été battu par les officiers de police qui étaient là. J'étais allongé par terre et on me frappait sur les fesses. J'ai ensuite été amené dans la salle de la primature où j'ai rencontré beaucoup de dignitaires du gouvernement. Et aussi, ils m'ont posé beaucoup de questions à propos de ma chanson et à propos de cette discussion. Moi, journaliste, j'ai été présenté au procureur sans avocat. Et le procureur m'a donné un jour pour avoir trouvé l'avocat. Durant le procès, j'ai plaidé toujours coupable, comme j'avais promis. Et le 27 février 2015, le verdict est tombé et la haute cour a décidé que je devais faire 10 ans de prison. Tous les crimes qu'on m'accusait, il a dit que j'étais coupable de tous les crimes sauf la complicité dans le terrorisme. Ça, je n'ai pas été coupable de ça.
Dans les 30 jours qui ont suivi le verdict, j'ai fait appel à la Cour suprême et j'attends toujours la convocation de la Cour. J'aimerais vous citer quelques noms des personnes que j'ai rencontrées pendant tout ce chemin de croix. Le ministre de la Culture s'appelait Protem Italie. Le chef de la CID s'appelait Théos Badégué. Le chargé de la culture au ministre de la Défense s'appelait Gérard Nyirimanzi. La directrice de cabinet du président s'appelle Inès Mambara. Le vice-président du Sénat s'appelait Bernard Makuza. Il est actuellement le président du Sénat. L'officier qui m'a enlevé, qui est entré brutalement dans ma voiture, c'était le chief inspector of police, Athanase Ruganintwari. Son collègue s'appelait Aphrodis. Le commissaire général adjoint de la police, c'est Dan Munyuza. Mon chauffeur à moi s'appelait Gérard Nawangundi. Le secrétaire exécutif de la CNLG, la Commission nationale de lutte contre le génocide, s'appelait Jean de Dieu Moutio. Pendant la détention illégale, j'ai aussi rencontré le général James Kabarebe, le général Freddy Bingira, le général Jacques Nziza, le général Karenzi Karake, le docteur Jean-Pierre Dusingizemungu, le président d'Ibuka, le businessman Gatera Egide et beaucoup d'autres. Pour moi, ce que je peux dire comme commentaire, c'est que mon procès est un procès très très politique, avec des preuves fabriquées. Par exemple, mes co-accusés, je ne les connaissais pas vraiment. Je ne connaissais que Cassien en tant que journaliste, mais les autres, je ne les connaissais pas. Je trouve qu'il n'y a pas du tout de connexité dans nos cas, mais il fallait que ces co-accusés viennent pour que je sois coupable. Et l'un d'entre eux, celui qui s'appelle Jean-Paul, l'a dit devant le juge. Il a dit que la police l'a torturé en essayant de le convaincre, en lui disant que il faut qu'il plaide coupable pour que Kizito soit coupable. Il a dit ça devant le juge, lors du procès dans le fond. Je trouve que c'est un procès politiquement motivé et avec des charges fabriquées et dans lequel la procédure pénale n'a pas été respectée et avant lequel il y a eu beaucoup de pratiques illégales, de la torture, les détentions illégales, l'enlèvement, non pas l'arrestation, mais l'enlèvement parce que normalement, quand tu es arrêté, on te dit pourquoi tu es arrêté, on te montre un mandat, etc. Mais ça n'a jamais été le cas dans notre dossier. Inshuti n'abavandimwe twibuka abo twuzuye nyuma tugatandukana abo twataramanye mu bihe by'ibyishimo benshi ntibakiriho hehe no kubonana benshi ntibakiriho hehe no kubonana nagusabye abo twareranywe twiganye batashye igihe kitageze iwabo wa twese abanziza urusanzwe nibo bake muri benshi benshi baziza urwo impanuka ibyorezo n'intambara amasasu mu bihe by'intambara ayiwewe nabwo bagira ingano abasabye nanzika kubapfuye bose tubibuke
bien d'autobou. Amon, c'est où vous ça? Mais toi, ravata valika. La boussa vient, tout bimouke. Avasez à mateka ya matanye. Ilzi kazahayo, zirimbu rimbaga. No kumisozi abati wa mabombe ni emana ya batanze abazize tifusi bagapfira ku ngoyi abati kiri shyanga shyanga basaterekerwa bate basaterekerwa bate ibiwondo malaika. Gahinda keshi kabibagiranye abapfuye bahagaze abatagira kivurira abaziza maherere abaziza karengane abazira kagambane nihema nibatanga abatotezwa bose nihema nibatanga abifashe mapfubyi nihema nibatanga abararuhunda nihema nibatanga twibuka abo twaribo mbere yuko tuba abo turi twibaza abo turibo n'impamvu tukiriho kwari meruka binji yimitagihe nibamenye bizabejo nagusabye